suis dans l'équipe des filles. Hein. C'est une vraie expérience humaine. Salut les trailistes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Trail Adventure Magazine. Écoutez, aujourd'hui je suis sur l'autoroute du kiff et je suis pas avec un trail, je suis avec la nouvelle NT1100 parce que je suis en train de la tester pour voyage à moto. Mais je vais pas rouler longtemps avec puisqu'en fait je file dans le Morvan et je vais retrouver Yann Dupré qui organise un challenge qui s'appelle le Collant Trail. Alors je sais pas si vous êtes familier avec l'émission de télé qui passe sur TF1, moi je l'ai regardé hier soir. J'avoue, je suis assez fan, j'aime bien l'idée, mais en plus ça se déroule avec des trails, donc on file dans le Morvan, je récupère une Ténéré 700 et puis bah écoutez, on va représenter le magazine et puis essayer de terminer sur les poteaux. Allez, c'est parti. Virginie te demande d'accueillir avec panache François dans ton équipe. Okay. Ça va. Ne feras-tu l'honneur de porter. Merci, merci. C'est très rose, hein. Bon bah voilà les gars, je suis dans l'équipe des filles hein, pour débuter ce Collant Trail. Merci les organisateurs. Avec plaisir. Et voilà, on va fermer la route. Je viens de charger une magnifique boîte de pâté dans ma petite Ténéré. Ténéré rabaissée. On espère que ça va tenir. Hein. T'en penses quoi toi? Moi ça va tenir. On a pris notre temps. Oh, et tu sais ce qu'ils disent les bleus? Ouais, mais nous on a fait à manger, c'est en train de cuire. Prochaine épreuve, l'épreuve Top Chef. Ça, c'est l'épreuve Top Chef. C'est un, ça va devenir un classique de Collant Trail. Une caisse. Alors, les trois caisses. L'épreuve Top Chef, c'est quoi? Vous avez du contenu. Vous devez faire un chili con carne ce soir. Au feu de bois, au feu de camp, ou avec vos gaz, comme vous voulez. Et vous avez 70 litres d'eau qui sont vers le tracteur. Une fois que c'est terminé, les goûteurs officiels. Approchez-vous, venez avec moi. Et c'est eux qui vont donner un avis, le meilleur plat. T'as qu'à dire que c'est bon. Meilleur plat, deuxième, troisième. Meilleure présentation aussi. Et meilleur goût. Ouais. Ok. Le 3. Et ils vont nous dire il vaut mieux que t'ailles manger chez les bleus, c'est meilleur. Ou chez les filles, c'est meilleur. Ce n'est que lui. Bon, le mythe tombe, hein. Effectivement, il y a de la bouffe sur Koh Lanta. Moi, je pensais qu'on aurait juste des sneakers. Bon bah voilà, première journée passée, ce qui s'est passé, plein de trucs, à 17h30 on s'est retrouvé, on a fait le petit briefing que vous avez vu, on est parti avec nos motos sur le camp d'entraînement de Yann, et on a commencé par une chasse au trésor entre guillemets, un toucher coulé où il fallait aller chercher des numéros de case un peu partout sur le jeu. Ouais, je suis à pied, j'ai pas de moto. Ouais, parce que donc on a fait un toucher coulé, on a fini deuxième. Ils m'ont quand même trouvé une équipe, ils m'ont mis dans l'équipe des filles, donc officiellement je suis Françoise. Et donc deuxième au toucher coulé, ensuite belle nuitée.
On s'est fait un beau repas, on s'est fait un chili, on en avait tellement qu'on en a donné à toutes les équipes. Et puis on s'est couché assez tôt quand même, hein. On est parti à 22h30 au lit. Moi j'ai ronflé, je les ai toutes réveillées. Je suis désolé les filles. Et voilà, là ce matin, petit concours sympa, fallait trouver le petit déj. On l'a trouvé en 3 minutes. Il était caché dans un pneu là sur tout le terrain. Et puis là on est parti pour la première épreuve. Allez. La tortue. Épreuve de lenteur. Pas de risque. De l'équilibre. Ok. Mais de la stratégie. Un pied. Et qu'on les laisse partir. Une fois qu'ils sont presque arrivés au bout, on repart. On doit dire. Faut juste pas bouger quoi. Attends, ils ne vont pas passer. Je suis pas sûr que ça en est vrai. Les stratégies de malade dès le début. J'espère que ça va marcher. Bonjour patate. Tranquillou. Le sourire. On voit bien là, c'est bon. On voit que ça. François, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. C'est parti, prêt. Hey, tombe toi un peu là, tombe. C'est vite tombé. Ça va que c'est pas ma moto hein. En fait c'est tout au frein arrière les gars. Tranquillou. Je regarde loin. Afin de choisir votre moto, on va faire un Shifumi. Celui qui gagne choisit sa moto. Le deuxième, la deuxième moto, le troisième aura la dernière. Shifumi. Il a gagné. Shifumi. Ok. Premier, deuxième, donc première moto, laquelle tu veux vérifier? La noire. La blanche. La blanche. Vous avez la Kawasaki. Okay. Bon, la deuxième épreuve, c'était vérification technique pour une moto qui part au Cap Nord et on a terminé premier. Pas mal les filles. Vous galérez un peu les gars là? Hey, François. Ouais. François, c'est ta moto là qui sont en train de vérifier. Oui, faut pas que je fasse trop chier. Hey, vous me faites bien la pression parce que tout à l'heure c'était pas terrible. T'as remis deux barres. Deux barres, c'est parfait. Là le chantier quoi. Le mec en partant, il a sablé ma tente. Je suis dégoûté. Pas très bon esprit ça. Hein. Bon alors là je vous explique, le challenge c'est de... Qu'est-ce qu'il faut faire d'ailleurs? Expliquez-moi. Bah, il faut que ça soit chargé le plus possible en fait. Toi, tu vas avoir 50 mètres à faire. Avec cette moto là. Avec cette moto là, chargée. Et donc là du coup vous êtes en train de la charger de cailloux. Voilà. Okay. Non mais pas que des cailloux non. Bon bah voilà, on met des cailloux dans une T7 et puis moi je vais devoir rouler avec. Je sais pas en fait comment elle fonctionne. Ça scrape sur quoi le truc? Ça m'énerve. Ça scrape sur le C'est bon? Ça va? Hey, tu croirais sur un cruiser avec le dossier derrière. Il reste. Hey, je pense que ça va partir en wheeling. Je sais pas si vous voyez ce que j'ai derrière là. Oh putain. Let's go. Il va falloir la vider, je crois. Oh, record du monde. La lourdeur. La surprise. On revient pas, les gars. On a gagné. On a gagné pour le poids sur la moto avec la T7 contre les BM. Ok. Ma ceinture et les cuisses. Eh, on reste entre gens corrects. Hein. On a le genre épreuve à la con, hein, parce que ça commence à bien faire. Maintenant, on va faire du rappel. La tyrolienne. Je déteste ça. Mais bon, faut bien le faire pour les points pour les filles. Donne-moi le couteau que je coupe. Alors, bouge pas. Bonjour. Bonjour. C'est pourquoi exactement là? Ouais. Tout ça c'est normal, hein. C'est ouais. Au sac de nœuds, oh. Le truc qui tient au scotch. Ah, c'est comme sur les GS, ça c'est du tuyau d'arrosage. Voilà.
coulis. Même ça là, parce que t'as vu, ça passe dans la corde. Ah, pas bête. Ah, ah. Là c'est mieux. Moi ouais, je t'aurais pas fait sauter si c'était emmêlé, on l'aurait vu un peu plus bas. Oui, enfin il a quand même fallu que je te rappelle à l'ordre. Hein. Et ta confiance Bah du coup c'est baissé d'un cran, tu vois, j'étais à 75, je suis à 50 maintenant. Ouais. Passe ta corde sur ta gauche. La désescalade. Tu vas mettre une main sur la sangle bleue. Ok, et l'autre dans ma poche. Voilà, et j'y vais quand je veux. Voilà, et là, j'y vais quand je veux. Je le fais vraiment pour vous les filles. Un, parce que. 3, banzai. Oh putain! Ouah, il y a un buisson! Coucou! Là, je touche à rien. Hop là! Et donc, il faut que tu ailles. Dans la liste. Dans ton application, tu vas chercher. On va. Les autos. Ouh, on retourne au circuit. Par là. Nous on va tout droit. Ok. Un embouteillage de GS dans la jungle. Bon, faut arrêter ça maintenant, on roule. Hein. Bon, ça va être à mon tour de taper la petite montée de la muerte. Petit bouchon d'oreille, toujours se protéger les oreilles. C'est super important, sinon bien sourd comme moi. Bon bah c'est parti. Ces problèmes. Là, on est quand même sur une montée bien grasse, quoi. On est quand même sur un truc bien grassouillé. Yeah. Bah, c'est ça aussi un peu un col en trail. C'est l'aventure dans les bois, à pousser des motos, à s'entraider. Regardez quand même les petites traces qu'on se fait. Bon, allez, je vais. Oh, mais elle est loin la Ténéré, je sais même pas où elle est. Ah, je vois de la lumière au loin, ça doit être ça. Puis pendant que je suis dans la forêt, là, je vais en profiter pour chercher un collier parce que je me sens un peu menacé là dans l'équipe hier soir. J'ai pas fait grand chose sur le camp et j'ai peur que ça me coûte au conseil. Donc là, je regarde si je trouve un collier. Oh, oh l'ornière. Wouhou ! Ah, je vais prendre le côté gauche. Ah, j'aurais dû prendre le côté droit. Allez. Bon, personne m'a vu, ça va. Personne m'a vu, je vous dis. Voilà. Là, on est bien garé. Ah, j'ai pris un petit peu de plaisir à monter cette côte. Je vais demander à mes comparses ce qu'il en est. Mes camarades d'aventure. Ça vous a amusé? Toi, t'es monté genre. Après d'abord. Alors? Pas trop dur? Ah, allez bien les filles! C'est bien! Ouais! Ça va? Vous en avez pas trop chier vous? C'est des motos? Oh, des trials, trop bien! Est-ce que vous voulez que je vous fasse un. Bon, là il est tard, il vient d'avoir un conseil, on change de capitaine et on récupère un pilote de l'armée de l'air au doux nom d'Emrika, du coup, puisque elle rejoint l'équipe des filles. Bon, ça va rouler.
Tranquillement, tranquillement debout, en respirant. On respire. Et puis on est sur le milieu et on joue avec ce centre de bidon là pour l'amener au fond, mais on lui fait un bisou tout le long. Bon, là le jeu c'est de tirer sur un bidon, de taper dedans à fond et ensuite d'aller vite ou de le faire avancer jusqu'au bout en premier. Putain, on est premier. Bon, bah j'y vais tout de suite. Tu mets un grand coup. Ouais, et ensuite... faut pas que tu dépasses le bidon. Ouais. Ok, si ça va pas, ça te va en couille. Attends. Si ça se barre en couille, tu t'arrêtes, je te le remets. Et fais-le avancer de l'autre côté. Dégoûté, j'ai essayé de taper fort dedans, mais en fait c'est pas allé très loin, c'est surtout parti en biais. Mais bon, on a fait deuxième. C'est quelle épreuve là? Épreuve TRS. Pourquoi TRS? C'est la marque de la moto, moto de trial. Chaque fois je fais ça, je suis trop con. Bon là, vous avez vu, il y a une corde qui part sur une épreuve de traction. Et avec ma petite DZ, je vais tracter une grosse GS. Elle commence plutôt bien avec une petite surprise, épreuve de maniabilité avec 9 dans la main. Dernier moment. Allez, on passe. On ralentit pas. Allez. On ralentit pas. Oh putain. C'est presque le dernier jour. Bah, la journée était un peu compliquée quand même. Je crois qu'on a perdu pas mal de points le matin. On a été pas mal retardé l'après-midi. Et du coup, j'ai crevé aussi. Ça nous a pas permis. Ça nous a fait perdre une demi-heure, 20 minutes. Et du coup, on n'a pas pu finir la trace. Donc, peut-être qu'on a encore une épreuve ce soir pour voir pour les filles. Pour la finale, ça me ferait vraiment chier qu'elles gagnent pas cette année parce qu'elles le méritent. Elles sont vraiment à fond. Ouais, toi ? Je parle tout seul à ma caméra. tout n'est pas fait. Mais en tout cas, excellente journée. Là, j'ai appris plein de trucs sur un challenge comme ça. On a eu des cours de premier secours, un peu de mécanique, du vrai bivouac. Bref, de la vraie aventure. Et c'est l'essentiel, en fait. Hein. C'est plus qu'un roulage entre potes. C'est une vraie expérience humaine, en fait. Donc, je pense que je le referai l'année prochaine, quoi qu'il arrive. Hein. Et puis, je vous encourage à m'y retrouver. Voilà. À bientôt, ciao. T'es prête à manger? Là, on est sur du vrai Koh-Lanta. Ça va être
explosé, attention. Mais viens, il a fait pêcheur, il a fait pêcheur. Oh les bâtards! C'est qui a fait ça? C'est toi là? Ah oh, mon gars, mais. J'ai une écriture dans l'ordre, de merde. Dans l'ordre. Ouais. Virginie, je vote pour toi ce soir, car tu es d'après moi la meilleure aventurière. La finale. Bon, après 5 jours d'aventure, 4 de bivouac et 52 épreuves bien variées, on arrive enfin à la finale. Les scores sont hyper serrés, les filles sont classées premières devant les bleus puis les verts. Alors pour cette ultime épreuve, l'équipe gagnante, les roses donc, ont dessiné elles-mêmes le parcours. Une fois mis en place, c'est finalement les 3 organisateurs qui vont le parcourir. Les filles ont tout misé sur Yann et sa T7. Il est brouillé, sa moto est là-bas. Allez Yann, la coupelle. Yann sur la moto très là dessus. Nickel. Ça saucissonne. Qu'est-ce que ça donne ici? Ouh, c'est serré. On est presque exécutant. Yann va y aller. C'est bon, vas-y. Là, ça va se jouer aux fléchettes. Il faut passer juste là. Les gars, bravo. T'as vu ce que j'ai fait avec la bécule, la moteur a baissé? Non, j'ai pas pu. J'ai mis le pied comme ça et elle a fait. Oh, oh putain! Bon, qui a gagné? Nico. Yann. Ah. Et les gars, la Ténéré! Elle a Allez, venez là! On en fait une fois devant la poubelle. Bon voilà, petite finale avec Patrick qui fait les photos. On se voit l'année prochaine.